ne servons d'espérance à maîtresse. Sur toi, Seigneur, merci parce que je ne m'attache dans le ciel de toutes nos forces. Nous t'appelons mon roi, nous t'évoquons majesté, majesté. Du pouvoir du péché, merci pour tout. Sois glorifié au ciel des cieux. Comme les yeux d'une servante, merci pour ta bonté, majesté, maîtresse. Béni sois-tu pour tout, béni sois-tu pour tout ce que tu fais, Seigneur, sans toi, qui siège dans le ciel. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Et que sa grâce excellente soit le partage Amen. De chaque enfant de Dieu Amen. À ce temps de prière. Alléluia. Nous sommes là encore pour intercéder. C'est notre vocation. Oui, demeurer devant la face du Seigneur. Dieu nous a appelés pour que nous puissions constamment faire monter vers lui ce parfum de nos prières, Alléluia. De nos louanges et de notre adoration. Nous vous invitons à partager cette pensée de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. Nous lirons un seul verset, verset 31. 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 31, qui nous dit ceci. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu. Nous avons donc donné ce thème à ce temps de prière, tout pour sa gloire. Alléluia. Tout pour sa gloire. Amen. Bien-aimés, comprenons-le. Dieu a créé l'homme pour que sa gloire soit manifestée au travers de nos vies. Alléluia. Nous avons été créés pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Et c'est pourquoi glorifier Dieu doit être le but le plus recherché dans la vie de tout véritable enfant de Dieu. Amen. Tout véritable enfant de Dieu doit chercher à glorifier Dieu en toutes choses. Et cela est très important. La recherche de la gloire de Dieu, ça doit être une préoccupation pour nous, en tant que ses serviteurs, ses servantes, en tant que ses enfants. La recherche de la gloire de Dieu doit nous amener à constamment donner cette place à Dieu. Et cela est très important. Nous devions avoir en nous ce désir de glorifier Dieu. Glorifier Dieu en tout temps, en toute occasion et en toutes choses, tout pour sa gloire. Et bien aimé, la recherche de cette gloire de Dieu en toutes choses dans notre vie nous engage premièrement à vivre une vie conforme au plan divin
et à sa parole. Vivre dans une parfaite conformité à sa parole et à son plan divin. Sans cela que Dieu sera glorifié dans nos vies. Bien-aimé également, faire tout pour le plaisir de Dieu. Vous savez, nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Et tout ce que nous faisons, bien-aimé, doit être pour le plaisir de Dieu. Alléluia. Ça doit être le premier élément qui motive toutes nos actions. Amen. Faire tout pour le plaisir de Dieu. Amen. Si nous prions, c'est pour le plaisir de Dieu. Amen. Si nous chantons, c'est pour le plaisir de Dieu. Si Amen. Nous sommes membres d'un groupe de louanges, nous devons comprendre qu'en chantant, nous devons le faire pour le plaisir de Dieu. Amen. Si nous soutenons l'œuvre de Dieu, c'est pour le plaisir de Dieu. Si nous donnons notre argent, nos contributions matérielles et financières, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si nous jouons un instrument, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi prions pour que tout sentiment d'orgueil soit banni de nos cœurs. Au nom de Jésus. Nous ne le faisons pas pour être vus des hommes. Il faut que Dieu soit le centre de notre action. Amen. Tout ce que nous faisons doit converger en direction de Dieu. Si nous prêchons, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Si nous accomplissons des miracles, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si des malades sont guéris, c'est pour la gloire Amen. De Dieu. Tout pour sa gloire. Bien-aimé, glorifier Amen. Dieu est vraiment très important. Et glorifier Amen. Dieu, c'est l'honorer. Il faut que Dieu soit honoré. Il est important d'honorer Dieu. Quand nous faisons quelque chose, il faut que ça soit pour l'honneur de Dieu. Il est important d'honorer Dieu parce que Dieu honore celui qui l'honore. Oh, bien-aimé, cela est très important. Glorifier Dieu, c'est l'être aussi par notre intégrité. Alléluia. Quand nous nous engageons à être intègres dans nos voies, intègres dans nos engagements, cela est vraiment très important. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Glorifier Dieu au travers de notre fidélité dans le service. Parce que ce que nous faisons comme service, que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs, c'est pour la gloire de Dieu. Même dans le travail. Lorsque nous sommes engagés dans un travail dans le monde séculier, le travail est une autre manière de glorifier Dieu. Et par conséquent, nous devons bien faire ce que nous devons faire pour que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, glorifier Dieu, ce n'est pas regarder aux hommes pour avoir leurs compliments. Glorifier Dieu, c'est mettre nos talents à son service. Amen. Glorifier Dieu, c'est le servir en recherchant l'excellence et la qualité dans le service que nous accomplissons pour lui. Glorifier Dieu, c'est être honnête dans la vie. Refuser toute forme de fraude, de corruption, d'inconduite. Vivre une vie honnête devant Dieu. C'est tout cela, bien-aimé, qui glorifie le Seigneur. Glorifier Dieu en lui donnant la place qu'il doit avoir dans notre vie, c'est-à-dire cette place de roi dans notre vie. Il doit être le maître absolu, incontesté, souverain sur notre Alléluia, vie. Alléluia. Celui qui a pouvoir de décision Amen. Sur notre vie. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi chassons de nos vies tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce temps de prière sera une occasion où chacun va dire à Dieu, Seigneur, que ma vie te glorifie. Amen. Je vais vivre pour ta gloire. Amen. Je vais servir pour ta gloire. Amen. Je vais être un instrument d'adoration pour ta gloire. Amen. Je vais être un instrument de louange pour ta gloire. Amen. Je veux servir pour ta gloire. Amen. Tout pour sa gloire, bien-aimé. Telle est l'invitation que le Seigneur nous adresse pendant ce temps de prière. Ensemble, nous allons encore bénir ce Dieu. Ce Dieu-là qui nous a tellement aimés. Et qui veut que nous puissions contribuer à manifester sa gloire. Oh, prions ensemble le Seigneur et bénissons Dieu. Alléluia. La recherche de la gloire de Dieu dans notre vie, dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Que Dieu soit glorifié. Je vais tout faire pour te plaire. Je vais tout faire pour que ton nom soit exalté.
Non par ma gloire, mais ta gloire, Seigneur. De mes paroles, tu te glorifies. De mes lèvres, tu te glorifies. De mes actions, tu te glorifies. De mes pensées, tu te glorifies, mon Dieu. Tout pour ta gloire. Bien-aimés, nous allons prier. Merci, notre Dieu. Tout pour sa gloire. Alléluia. Telle doit être notre motivation au quotidienne. Nom de Jésus. Jésus l'a dit dans Jean, le chapitre 17, verset 4. Il disait : Je t'ai glorifié sur la terre. Et nous savons que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. C'est vrai. Il s'est dépouillé de cette gloire. Il est venu pour glorifier le Père. Alléluia. Nous allons prier pour dire à Dieu : Seigneur, je veux que ma vie te glorifie. Alléluia. Dans tous ses aspects, tout. Dans tous les compartiments Alléluia. De mon existence, que ma vie te glorifie. Amen. Qu'en aucun cas, que ma vie ne soit en contradiction avec la manifestation de la gloire de Dieu. Que ma vie te glorifie, Seigneur. Ensemble, élevons la voix, mes amis. Que ma vie te glorifie. Que mon existence te glorifie. Que partout où je suis, que la gloire de Dieu soit manifestée. Oh mon Dieu, merci. Prions Dieu, bien aimé. Prions Dieu. Réclamons la priorité de la gloire de Dieu. En tout ce que nous sommes et en tout ce que nous faisons, que Dieu soit glorifié. Que Dieu peut tout et que rien ne soit impossible. Au milieu des païens, que Dieu soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans l'église, que tout soit pour la gloire de Dieu. Que dans la manifestation des talents, des talents, des ministères, tout pour la gloire de Dieu. Dans le nom de ton priorité, à la gloire de Dieu, notre vie. Demander au groupe musical de nous chanter ce cantique. À Dieu soit la gloire.
À Dieu soit la gloire, bien-aimé. Il faut que cette gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Nous devons tout faire pour sa gloire. Toute notre vie doit être pour la gloire de Dieu. Le groupe musical va le chanter. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Chantons-le ensemble. Si tu consens avec moi, que la gloire revient à Dieu. Tu peux te joindre au groupe de louanges pour chanter ce cantique. Donnons-lui gloire, bien-aimé. Dieu. À Dieu soit la gloire, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, à Dieu soit la gloire, 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 loué soit son nom, loué soit son nom, loué soit son nom, alléluia, loué soit son nom. Chers bien-aimés, nous allons prier. Si nous vivons pour la gloire de Dieu, pourquoi dans nos vies nous tolérons certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur? La Bible dit, à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Le nom du Seigneur n'est pas aujourd'hui glorifié dans ce monde. Ce texte que nous avons lu, le verset 32 de 1 Corinthiens chapitre 10, nous dit ceci: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Que de scandale aujourd'hui. La gloire de Dieu est foulée aux pieds, méprisée, bannie aujourd'hui, à cause parfois de ce que dans nos vies certaines choses ne donnent pas gloire à Dieu. Nous allons prier pour chasser de nos vies tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Que ce soit le péché, que ce soit les calomnies, que ce soit les actions, que ce soit des paroles, que ce soit des choses que nous faisons dans le secret qui ne glorifient pas Dieu, nous allons les chasser de nos vies et que nos vies soient des instruments pour glorifier le nom du Seigneur. Chassons-les, prions ensemble, Seigneur. Alléluia. Chassons toute pensée impure, toute parole, des calomnies, des médisances. Chassons-les. Dieu.
Jésus. Tout pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Amen. Amen. Bien-aimé, si tout doit être pour la gloire de Dieu, pourquoi ce sentiment d'orgueil anime nos cœurs? Quand au travers les talents que Dieu nous a donnés, nous voulons parfois nous mettre en exergue. Nous voulons parfois faire croire que nous sommes les meilleurs. Les meilleurs prédicateurs, les meilleurs chanteurs, les meilleurs joueurs d'instruments, les meilleurs qui faisons ceci, qui faisons cela. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia. On dit au Seigneur, Seigneur, merci pour tous ces talents que tu m'as donnés. Je veux les utiliser pour ta gloire. Je veux servir pour ta gloire. Je veux que ma vie te glorifie en tout temps et en tous les domaines. Encore une fois, élevons la voix, bien-aimés. Et chassons ce sentiment d'orgueil de nos vies. Glorifions Dieu. Si des miracles sont faits dans ton ministère, c'est pour la gloire de Dieu. Si des âmes sont sauvées par ton canard, c'est pour la gloire de Dieu. Si l'œuvre de Dieu prospère dans tes mains, c'est pour la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Chers bien-aimés, tout doit être pour la gloire de Dieu. Et si tout doit être pour la gloire de Dieu, nous devions par conséquent honorer Dieu par notre intégrité. Être intègre dans nos voies. Nous devons servir Dieu avec fidélité. Nous devons servir Dieu en recherchant l'excellence. Alléluia. Un service de qualité qui plaît à Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu et qui révèle la grandeur de Dieu, qui révèle la gloire de Dieu. Et que nous puissions dire comme notre maître Jésus l'a dit, je t'ai glorifié sur la terre. Ensemble, bien-aimés, prions pour que cette intégrité soit notre partage. Que la fidélité nous caractérise. Que nous puissions nous engager dans un service qui honore Dieu. Un service de qualité, un service d'excellence pour la gloire de Dieu. Nous refusons la médiocrité. Nous refusons tout ce qui se fait avec négligence, avec paresse. Dans le nom de te servir, avec cette conscience de donner gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pendant que le groupe musical chante ce cantique, mon frère, retiens cela. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons parler pour la gloire de Dieu. Nous devons servir pour la gloire de Dieu. Nos actions doivent glorifier Dieu. En tout temps et en tout lieu. Partout où nous sommes. Quel que soit ce que nous sommes. Tout en nous doit glorifier Dieu. Que Dieu puisse nous bénir au travers de ce moment. Nous voulons, chers bien-aimés, vous engager à réellement vous abandonner à Dieu en marchant en conformité avec sa parole et selon son plan divin pour que le nom de ce Seigneur soit toujours glorifié dans nos vies. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.